Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau livre de coloriage. Oui, en ce moment il y a des nouveaux livres qui rentrent à la maison. Donc c'est un livre de Tania Boguema, voilà. Les filles qui est assise sur le livre. Mais elle aime le livre parce que c'est un livre avec des souris. Fifi, maman, elle peut prendre le livre. Allez, je peux prendre. T'es devant le... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je disais, c'est un livre de coloriage de Tania Boguema. Voilà. Alors, on n'aime pas... Alors, désolé, il est à l'envers, mais je vais vous montrer après, face bureau. Oh, Fifi, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Alors, j'ai découvert cette illustratrice complètement par hasard. Parce que sur mon groupe, comme je vous avais dit, je donne des défis tous les 15 jours à colorier. Et donc, j'avais trouvé un dessin sur Internet, un dessin gratuitement. Voilà. Et j'avais donné ce dessin sur en défi à colorier. Et une de mes colocopines m'avait dit... est-ce que tu connais le nom de l'illustratrice qui l'a dessiné? Alors, j'ai dit non. Je vais chercher. Donc, j'ai cherché sur Internet. Et donc, j'ai trouvé. Et donc, j'ai trouvé que c'était Tania Boguema. Voilà. Et j'ai trouvé donc son univers. Et également, donc, elle a plusieurs... alors, j'ai ouvert ma page... Il y a plusieurs livres chez elle. Alors, je crois qu'il y en a 11 ou 12, comme ceci. Si je ne me trompe pas. Bon, là, c'est le numéro 4. Bon, je n'ai pas pris le 1, mais j'ai pris le numéro 4. Je prendrai le 1 peut-être une autre fois. Mais... Fifi. Merci. Donc là, j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait bien. Hein, tant qu'à faire, vaut mieux prendre des livres qui nous plaisent. Donc, c'est un univers un peu enfantin. Il faut aimer. Il y a quand même beaucoup de détails aussi à colorier. Donc, bon, c'est pas des dessins qu'on va faire, des coloriages qu'on va faire en une heure, bien sûr. Mais ça change. Donc, c'est-à-dire, l'autre jour, elle a pris des gnomes. Et aujourd'hui, elle prend des souris. Oui, bah. Hein? Aujourd'hui, c'est les souris. Donc, alors, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est, voilà, vous voyez, vous avez une page noire derrière le coloriage. Donc, au moins, si jamais vous utilisez... un crayon qui transperce, ben ça se verra pas, mais mettez quand même toujours derrière votre coloriage une feuille cartonnée quand vous coloriez ben pour éviter d'abîmer le dessin qui est derrière malgré qu'il y ait une page noire. Ça évite les accidents, on ne sait jamais. Alors, là, je ne peux pas vous dire si ce papier va être bon à l'aquarelle. Parce qu'il me paraît fin pour moi. Donc, à essayer. J'essaierai peut-être sur un dessin, je verrai. Donc, l'aquarelle, je ne sais pas. Désolé, il est tard. Il est tard et puis là... on a été un petit moment sur notre la devanture de notre maison parce que l'accident est encore en cours là à ce moment.
Il vient d'avoir un énorme accident juste devant chez moi. Et du coup, ça m'a retourné un petit peu. Mais ça devait, il devait y en... Ça pendait au nez, hein. Parce que ici, dans ma rue, le matin, ça va. Mais une fois l'après-midi, le soir et la nuit, alors c'est une rue à 50 km/h, mais il y en a ici, ils prennent ça pour un circuit, hein. Des fois, ça passe à 100 à l'heure, même à 140, même plus, hein. Je suis sûre qu'ils passent à plus de 140 à l'heure dans la rue. Et là, ils se sont bien face à face. Je sais, en plus, je ne sais même pas comment ils ont fait parce que la voiture, une voiture comme ça en travers, complètement en travers de la route, la deuxième, elle est là. Juste au feu rouge, donc il y en a un des deux qui a grillé le feu rouge, hein, automatiquement. Trois blessés, dont un enfant. Voilà, et bon, il n'y a plus de bagnole, les deux mortes à fond, complètement, complètement mortes. Enfin, celles qui ont mon Facebook, ben, allez voir la photo sur mon Facebook, je l'ai mis. C'est pas joli, joli. Alors du coup, j'ai un peu retourné à voir cet accident. Ça m'a un petit peu... Pouf! Voilà. Mais bon, sur le coup, je crois, quand on a entendu le boum, parce que c'est juste en face de chez moi, hein, à 10 mètres. Mais on a entendu tellement le boum, j'ai cru que c'était dans la note de voiture quand on était rentré. J'ai ouvert la porte à une vitesse. Mais heureusement, c'était pas dans la notre voiture, mais par contre, dans la voiture de notre 1, 2, 3, troisième voisin, je crois, troisième ou quatrième voisin, sa voiture, lui, il est sur l'angle de la rue, sa voiture a pris. Lui, c'est à chaque fois, il y a droit. Ça, sur 3 mois, là, ça fait déjà la troisième fois que sa voiture prend par rapport aux autres accidents. Bon, enfin. C'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était ça, vous montrer le livre. Donc, la suite de la vidéo, je vais vous montrer les dessins. Hop, avec face bureau. Et moi, je vais déjà vous faire le bisou. Voilà. Comme ça, après, vous allez voir les dessins du livre de coloriage. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir le retrouver sur Amazon. Vous savez que moi, je commande toujours sur Amazon, donc je remets les liens. Et on se retrouvera aussi bientôt pour un coloriage que je ferai sur ce livre. Voilà. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bon visionnage pour la suite.
Thank you.